Alors, dans ce fascicule 51, comme je disais tout à l'heure, on va découvrir le marchand de jouets et sa Peugeot 404 Break. Voilà. Ensuite, l'histoire du diorama. Voilà. Ensuite, la vie de l'ensemble du diorama. Voilà, plutôt sympa. Alors plutôt très très propre, hein, voilà. Bon là j'ai déjà monté préalablement, c'est toujours les mêmes routes, hein, bien sûr. Alors le magasin qui s'appelle La Flûte Enchantée. Alors c'est jeux, jouets et cadeaux, voilà. Et puis là on voit un peu la vitrine, hein, ils mettent filles et garçons, jeux de société, jeux de construction. Et on peut voir un petit peu avec les jouets de mécano. Voilà la fameuse grue, hein, qu'ils ont reproduit. Voilà. Avec les petits jouets à pédales, les voitures à pédales et tout ça. Là, on voit qu'il y a les genres de petits de figurines et tout ça. Voilà, plutôt sympa. Là, c'est plutôt au moment de Noël, hein, je vois qu'il y a un petit sapin. Voilà. Oh, plutôt sympa. Hein, voilà. Et là, la petite porte d'entrée pour les locataires, la porte de vitrine. Voilà, une belle vitrine en tout cas, avec un beau rouge. Voilà, assez sympa. Voilà pour ce petit diorama. Ensuite, on va découvrir les personnages et le jouet. Hein. Alors déjà, on va découvrir le petit personnage avec un petit garçon. Avec la petite sucette. Voilà, avec une petite veste gris, avec un short noir. Avec des longues chaussettes de l'époque, avec des petites chaussures noires. Voilà, plutôt sympa, hein, cette petite figurine. Voilà. Du coup, le petit garçon, on va le mettre ici. Du coup... Voilà, le petit garçon qui est bien mis. Après, on va découvrir le cheval à bascule. Voilà, plutôt propre. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Voilà, les beaux petits jouets qu'ils font, hein, franchement. Petits jouets en bois. Du coup, ben, il va se venir ici. Voilà. Et voilà qu'est-ce que ça donne au niveau du rhum. Voilà, plutôt sympa. Après, ensuite, on va découvrir la Peugeot 404. Voilà, break. Voilà, un beau rouge. Alors là, c'est tout marqué aussi la flûte enchantée. Là, après, nous avons l'adresse, hein, qui est, je sais pas s'il existe encore. Hein, c'était 96 rue de la Boétie, à Paris, hein, dans le 8e. Voilà, et puis avec le numéro de téléphone. À 4 chiffres, 67 68. Voilà, ensuite la petite vue arrière avec des beaux feux arrière, voilà, chromés. Ils sont chromés, peint chromé, hein, plutôt sympa. Voilà, petite vue arrière, un intérieur bien détaillé aussi avec les sièges, voilà, noir. Sur le côté on reporte la même chose. Ensuite, on voit présente des LED de rétro avec les deux essuie-glaces chromés et un petit face avant, plutôt sympa. Voilà. Voilà, je vous laisse contempler la petite miniature. Voilà, les amis, la vidéo s'achève. Je vous dis.